Ouais, juste, ça va ou quoi? Mais attends, pas trop dur le ramadan? Si, un peu quand même, hein. Parce qu'il fait chaud ou juste t'as pas l'habitude? Comment ça, pas l'habitude? Bien sûr, j'ai l'habitude. Bon, je le fais pas en entier, mais j'ai l'habitude. T'énerve pas. Puis pourquoi tu le fais pas en entier? Le but, c'est de le faire en entier, non? Vas-y, vas-y, rends pas ouf dès le matin, je suis naze, mon gars. Quel matin? Il est 14h10. Rends pas ouf avec tes questions de raciste. Moi, raciste, t'es un ouf. Ouais, tu rends ouf. Je le fais pas en entier alors. Y'a rien de grave, non? Mais le fait que tu le fasses pas en entier, tu restes quand même musulman. Ah ouais? C'est pas logique, si tu fais pas en entier, c'est que t'as une raison, une maladie par exemple. Hier, Suleiman, il me disait qu'il fallait vraiment une raison valable pour pas le faire. Attends, ça regarde que Dieu et moi, c'est Suleiman, il t'a parlé de religion. Tu te prends pour un prêcheur, mon frère. Aucun rapport, c'est qu'en ce moment, je trouve qu'il y a trop de choses bizarres dans l'islam. Entre le terrorisme, la femme voilée, la viande halal, on parle que de ça en mal, vous êtes même pas foutu de vous rassembler pour vous défendre. Mais c'est quoi ton délire là? Tu veux faire un débat avec tes propos de racisme? Je m'en bats les reins de tout ça, moi. Je suis un vrai musulman, je fais rien. Je respecte la femme telle qu'elle est, je respecte toutes les religions. Si tu respectes tout ça, fais-le en entier ton ramadan. Vas-y Julien, je suis pas parfait, t'as vu. Mais je sais qu'un jour le ramadan, je le ferai en entier. Et je ferai la prière correctement à l'heure. Pour l'instant, j'ai trop de soucis, Inch'Allah, Dieu m'aidera. Et c'est tes soucis qui t'empêchent de pratiquer ta religion correctement? Vous êtes bizarre quand même. Dès qu'il y a un problème dans vos vies, vous vous en remettez à Dieu. Ouais, je suis alors. Et alors? Quand tout va bien, quel Dieu, tu le calcules? Bah ouais. Et de la même manière quand t'es triste. Vas-y, rends pas ouf. Tu vois, ça, je comprends pas. Pas moyen d'avoir une conversation. Franchement, t'es préjugé à deux balles. Et j'ai pas de préjugés, je constate simplement que vous en remettez à Dieu et vous plaignez à Dieu quand ça va pas. Regarde, pour la révolution arabe, en France, y a personne qui a bougé. Il y a eu quelques mini-manifestations, mais sinon, que dalle. Tu sais même pas de quoi tu parles. Laisse-moi finir, wesh. Ce que je veux dire par là, c'est que y a une minorité qui se défend, mais pas beaucoup s'allient pour prouver aux gens que l'islam, c'est une belle religion. Attends, tu me confirmes, le Coran, il appelle à la tolérance, à la paix, au respect des autres religions. Ouais, ouais. À aider son prochain, donner l'aumône, sans le crier au effort, être modeste, gentil, serviable, être le meilleur mari pour la femme. Enfin voilà quoi. Pour moi, l'islam, vous l'avez gâché avec votre halal, pas halal. Attends, l'autre jour, s'il te plaît, j'ai vu des œufs halal. Trop fort quoi. Enfin bref, votre halal, à lui tout seul, c'est devenu un business de ouf. J'avoue. Mais juste dis-moi, pourquoi à chaque émission de télé, ils te ramènent 10 mecs, soi-disant spécialistes de l'islam? Ils disent n'importe quoi sur notre religion. Déjà, pourquoi notre prophète, il l'appelle Mahomet et pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Juste ça, je comprends pas. Je sais ça, mais il faut faire des longues études plutôt d'ouvrir des grecs. Mais t'es fou, toi! On a des savants, des mecs connus qui représentent l'islam. Ah ouais? Et comme qui? Tiens, il y a Tariq Ramadan ou Dieudonné. Arrête, s'il te plaît. Même les dirigeants, ils sont pas d'accord sur la date du Ramadan. Et puis Tariq Ramadan... Ok, il est très fort, mais il est toujours tout seul contre 5 pendant les débats. Et puis, franchement, explique-moi pourquoi c'est que pendant le mois du ramadan que les gens y croient que vous êtes sympa. Parce que les gens, ils savent pas. Justement, c'est un argument qui devrait les faire réfléchir. Mais quel argument? Leur faire lire le Coran pour pas qu'ils jugent cette religion. T'as pas remarqué? En général, quand les gens ils critiquent un film, ils ont lu les critiques, mais ils l'ont même pas vu. Mais vas-y, les gens, tu vas leur dire de lire le Coran. Ils pensent que tu vas les convertir. Et puis de toute façon, je suis pas un mec important pour dire ça aux gens. Qui t'a dit qu'il fallait être important? Suffit de leur montrer par le comportement. Eh, hey, tu sais, Julien, j'ai des défauts et peu de qualités. Enfin, je crois, mais je sais qu'un jour, je le ferai bien le ramadan et la prière aussi. J'ai 25 piges et le temps passe super vite. Je sais, je dis pas le contraire. Mais elle, la mort, elle a pas de résolution. Je sais. Je trouve même que sur certains points, t'as raison. Peut-être. Franchement, je sais pas. Tu sais bien que si. Les gens, ils pensent que l'islam, c'est un handicap. Je pense que c'est une religion de haine, tout ça. Toi, t'es même pas musulman et tu défends notre religion, c'est un truc de ouf. Tu sais, si tu penses que être musulman c'est un handicap, alors j'en ai deux. Deux handicaps? Bah ouais. Parce que ça fait un bon petit moment maintenant que je me suis converti à l'islam. Bon, c'est l'heure de la salade, je dois y aller, mec. Ouais, à plus. À plus. Allez, Balti. On y va. Un converti en islam est un terroriste en France. Les médias vous parlent de terrorisme et mettent en avant l'islam et le Coran en vous le répétant des millions de fois. Les gens ne s'aiment plus, ils se haïssent, des groupes se forment et les violences augmentent. Je n'ai rien à rajouter, simplement en finissant par une citation d'un film culte. Nous ne sommes pas ennemis mais amis. Nous ne devons pas être ennemis. Même si la passion nous déchire, elle ne doit pas briser l'affection qui nous lie. Les cordes sensibles de la mémoire vibreront dès qu'on les touchera. Elles résonneront au contact de ce qu'il y a de meilleur en nous. Un, ok.
encore, Tim. Yeah, yeah, yeah. Ouais, tu vois, ouais, c'est le logo, ouais. Là. Ouais. Voilà, tant que tu n'es pas dessus, c'est bon. Okay. Ah, mais j'avais rien sur moi. Non, t'inquiète, tu parles du micro, il parle de la perche. Ouais, mais il fallait pas de marque. Mais oh. J'ai pris le plus discret. Ouais, ben. Recule un peu, s'il te plaît. Moi, j'en avais pas, t'es. Recule un peu, s'il te plaît. Ok, j'ai mis un label en commun, voilà. C'est quoi ta réplique de fin? Inch'Allah, Dieu m'aidera. Voilà, c'est ça.